Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo. On va faire ensemble des étiquettes pour anniversaire. Alors, on va en faire quatre. Alors, j'ai décidé de faire quatre ronds. Voilà. J'ai décidé de les faire ronds. Voilà. Dedans, il y aura un rond blanc. Voilà. Il y aura des feuilles. Voilà. Parce que j'aime ça. Bien sûr, les banderoles, j'ai choisi Happy Day, j'en ai fait deux. Et Joyeux anniversaire, j'en ai fait deux aussi. Voilà. Voilà. Bien sûr, des fleurs comme ceci ou en résine, voilà, ou comme ceci, je verrai bien, ou des fleurs comme ceci, voilà, et des fleurs comme ça aussi qui sont déjà montées, et du ruban. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment je vais les faire. Alors, je vais prendre déjà un. Je vais coller d'abord le premier, mon rond. Pas besoin de mettre beaucoup de double face, ça ne sert à rien. Toujours essayer d'économiser. Voilà. Voilà. Après, j'ai décidé de mettre mon ruban. Je vais le mettre ici. Voilà. Non, ça serait bien, c'est pas grave si ça dépasse, je couperai tout à l'heure. Je vais le coller avec du double face. Vous n'allez pas avoir souvent des vidéos comme ceci parce que c'est vrai que les étiquettes, faire des étiquettes, c'est pas vraiment mon fort. Voilà, alors je colle mon ruban. Voilà, je vais le couper. Alors, je vais essayer de le couper en rond. C'est tout bon. Après, je vais coller ma petite fleur, ma petite feuille avec du double je vais y arriver avec du double face, la mousse 3D, pardon. Je vais y arriver. Alors, hop. Voilà. Et je vais coller ici. Et je vais mettre une fleur comme ceci. Alors, je vais en mettre une là. Et puis, je ne sais pas si je vais mettre. Non, je vais plutôt mettre une grande. Alors, je vais voir. Une rose. Voilà, oui, ça me plaît comme ça. Voilà, et je vais mettre un petit carré de mousse 3D. Voilà.
ça fait plus gros ou pas. J'hésite si je mets pas une comme ça. Je pense que je vais mettre une comme ça parce que ça fait trop épais. Voilà. Je préfère, je vais en mettre une comme ça, c'est mieux. Voilà. Tac. Et je note aussi peut-être deux petites. Non, je laisse comme ça. Voilà. Alors, ça, j'ai plus besoin pour l'instant. Après, je vais coller mon étiquette avec du double mousse 3D, la fine. Voilà. Et je vais le coller ici. Voilà. Et je vais mettre des strass. Je vais mettre celle-ci. Alors, hop. Je vais mettre une. Et puis une ici. Voilà. Alors déjà, voilà une étiquette terminée. Maintenant, on va faire la deuxième. Alors, je colle mon rond. Voilà. Cette fois, je prends ma feuille. Je vais la coller ici. Voilà. Je vais prendre ces petites fleurs et je vais en mettre deux. Alors, une comme ça et une rose comme ceci. Voilà. Que je vais mettre de la mousse 3D, mais la plus fine. Voilà. Ici monte, voilà, là c'est bon, et après je vais coller mon joyeux anniversaire. Voilà, voilà, et je vais le mettre ici. Voilà, et je vais mettre mes strass. Un ici. Et puis un là. Voilà. Voilà la deuxième étiquette. Maintenant la troisième. Là, je la mets comme ceci. Je vais coller mon mais cette fois je vais mettre des fleurs comme ceci. Voilà, je vais les couper bien sûr. Je vais arriver ou pas? Oui. Alors voilà. Je vais prendre une là. Hop. Alors, je vais la coller avec avec de la mousse 3D. Voilà.
et je vais mettre qu'est-ce que je vais pouvoir mettre, je vais mettre un petit un petit papillon. Voilà, je vous les ai pas montrés mais ça change un peu. Voilà, et c'est mignon. Ouais, je crois qu'il faut que je colle avec la colle. Je vais mettre mon pistolet à chauffer. Ouais, non, je vais la coller à la colle. C'est pas grave. Alors, pourquoi il veut pas? Voilà, petit papillon, c'est joli. Je vais coller mon Happy Birthday. Voilà. Et le Happy Birthday, je vais le mettre ici. Voilà. Alors, est-ce que c'est chaud ou pas? Presque bon. J'aurais peut-être pas dû je vais peut-être en prendre un autre et pas coller couper jusqu'au bout. Voilà, je vais plutôt coller comme ça. Voilà, là c'est mieux, mais je vais coller avec le la colle chaude, ça sera mieux. Voilà, voilà. Alors attention aux vos doigts bien sûr, j'arrive à enlever. Voilà, voilà, et mes strass bien sûr. Cette fois les strass je vais les mettre comme ceci. Voilà, pour changer un peu. Alors voilà la troisième et la dernière. Ça, je vais pas la mettre pour finir et je vais coller une feuille, une fleur comme ceci. Alors, celle-là elle me plaît bien. Voilà, ouais, je préfère celle-là. Voilà, alors bien sûr avec la colle chaude. Voilà. Et voilà, voilà, c'est tout bon. Par contre, je pense que là, je vais la mettre aussi celle-là. Je vais la mettre comme ça aussi. Ouais, ça sera plus joli. Voilà. J'aime mieux comme ça. Alors voilà. Alors voilà mes quatre étiquettes. Voilà. Hop. Voilà. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez.
Je pense que vous les voyez bien là. Hop. Alors voilà, mes étiquettes sont terminées sur le thème anniversaire. Voilà, alors je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.